Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, ça y est, nous sommes en 2017 et en cette occasion je tiens à mon nom et au nom de toute l'équipe à vous souhaiter une excellente année en espérant qu'elle soit encore meilleure que 2016. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon top 5 exercices pour le dos qui reste le groupe musculaire que je préfère le plus travailler. Donc comme le veut la formule habituelle, le concept de la série, je vous préciserai pour chaque mouvement la zone où le travail sera localisé et si vous avez une hésitation quant à l'exécution technique, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui vous renverra à la vidéo tutoriel correspondante. Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite ce top 5 pour le dos. Alors on commence de suite ce top 5 par le premier exercice. Et quel exercice, les amis? Car il s'agit ni plus ni moins de mon exercice préféré, hein, tout exercice de dos confondu. Il s'agit de traction à la barre fixe en prise pronation. Le king du king, l'exercice phare pour vous forger une largeur de dos digne de ce nom, hein. Donc exercice qui va surtout focaliser le travail sur le grand dorsal, plus précisément, hein, sur les fibres externes de ce dernier. Enfin, de ces derniers. Exercice que je réalise généralement au début de séance. Les trois quarts du temps, je l'effectue lesté, mais de temps en temps, selon mon schéma d'entraînement, il m'arrive de l'effectuer au poids de corps en effectuant un maximum de répétitions. Donc des fois, ça change. Au niveau technique, je vous rappelle, gardez la poitrine bien sortie. En aucun cas, vous ne devez effectuer votre traction avec le dos rond, avec les épaules en avant, sinon vous allez imposer un trop gros stress au niveau articulaire, mais votre travail au niveau des dorsaux va s'en faire ressentir. Sur la phase excentrique, surtout, c'est-à-dire sur la phase d'étirement, gardez un léger flex au niveau du coude, pour ne pas trop étirer la longue portion des triceps. Et s'il vous plaît, faites-moi plaisir, lorsque vous tirez, tirez-moi ces coudes un maximum vers le bas et contractez-moi ces dorsaux au maximum. Donc voilà, si vous avez la force nécessaire pour réaliser cet exercice, faites-le parce que c'est vraiment un indispensable. En deuxième exercice, nous avons le rowing buste penché yates en supination, un exercice qui va surtout focaliser sur l'épaisseur de votre dos en sollicitant principalement les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs, bien sûr, les dorsaux ne seront pas en reste. Au niveau technique, je vous rappelle, le buste est penché à 45 degrés, maintenez une légère flexion au niveau des genoux, sinon vous allez trop étirer vos ischios jambiers lorsque vous allez effectuer cette bascule. La prise est légèrement supérieure à la largeur d'épaule, les bras sont le long du corps pour nous assurer de solliciter les dorsaux et tirer les coudes un maximum vers l'arrière en effectuant une adduction des omoplates, c'est-à-dire serrez-moi ces omoplates au maximum pour garantir le travail des trapèzes. La barre, on la tire à la verticale vers le nombril. Donc voilà un exercice qui est très technique, mais que je vous encourage à pratiquer, à perfectionner, car il est vraiment très efficace pour vous forger une épaisseur digne de ce nom. En troisième exercice, nous avons le tirage poulie haute, prise neutre, un exercice qui va surtout focaliser le travail sur le grand dorsal et plus précisément sur ses fibres inférieures qui sont très importantes à développer pour un rendu plein au niveau du dos. Au niveau technique, le buste est penché de 30 degrés en arrière. Ne vous penchez pas trop, sinon vous allez transformer cet exercice en exercice de trapèze. Vous allez tirer la poignée sur le bas des pectoraux, les bras le long du corps et assurez-vous de tirer les coudes un maximum vers le bas et vers l'arrière. En quatrième exercice, nous avons un très grand classique, il s'agit du rowing un bras halter, un mouvement qui offre une capacité de contraction maximale mais qui est souvent massacré en salle. Un mouvement qui va surtout travailler l'épaisseur du dos en sollicitant principalement les trapèzes, encore une fois le trapèze moyen, les trapèzes inférieurs, bien sûr les dorsaux seront également de la fête. Au niveau technique, le dos est bien droit, maintenez une légère cambrure au niveau des lombaires, le buste doit rester constamment, et je dis bien constamment, parallèle au sol. Et je vous rappelle que votre tirage doit être initié par le mouvement de votre épaule d'avant en arrière. Donc lorsque vous commencez votre tirage, tirez votre épaule dans un premier temps vers l'arrière, tirez le coude un maximum au-delà du plan dorsal, contractez-moi ça un maximum sans effectuer de torsion au niveau du buste. Votre colonne ne va pas aimer du tout. En cinquième exercice, nous avons mon finisher préféré, il s'agit du tirage poulie haute, bras tendu à la corde, exercice qui va surtout focaliser le travail sur le grand dorsal, particulièrement intéressant au finisher car c'est un mouvement d'isolation, c'est-à-dire qu'il est mono-articulaire, qu'il ne fait pas intervenir, c'est un des rares exercices de dos qui ne fait pas intervenir l'articulation du coude, c'est-à-dire que là, uniquement vos dorsaux vont travailler. Donc je l'effectue à la corde parce qu'elle va me permettre une plus grande amplitude de travail, donc au niveau technique, vous allez effectuer une rétropulsion du bras sans changer l'angle que forme votre avant-bras et votre bras. Ça, c'est hyper important. J'avais utilisé à l'époque, lors de ma vidéo, une image. Imaginez-vous tout simplement en train de nager en initiant le mouvement par l'épaule et le coude un maximum vers l'arrière. En fin de séance, il va vraiment vous procurer des sensations et une congestion maximale.
En sixième exercice, un mention spéciale pour les haussements d'épaule aux haltères, hein, pour les shrugs haltères, mouvement qui va solliciter principalement les trapèzes supérieurs et qui va de ce fait, hein, compléter les sollicitations des trapèzes moyens et inférieurs qui auront été faits durant mes rowing. Ainsi, la boucle sera bouclée. Au niveau technique, hein, les épaules en position arrière, effectuez uniquement un haussement d'épaule, hein, c'est-à-dire que vous ne devez en aucun cas effectuer de tirage avec le bras. Et voilà qui conclut mon top 5 d'exercices 1 pour le dos, hein, qui, je vous le rappelle, reste une liste subjective, ce sont mes choix. Et d'ailleurs, je vais anticiper, hein, sur un commentaire qui risque d'être assez récurrent, en l'occurrence, hein, pourquoi n'y a-t-il pas de soulevé de terre? Alors à cette réponse, je vais donner donner une réponse très simple. Il n'y a pas de soulevé de terre, non pas parce que ce n'est pas un bon exercice, mais tout simplement parce que je n'aime pas le soulevé de terre. Donc voilà. Donc qu'en est-il, hein, si vous aviez 3 exercices à choisir parmi ces 5 pour réaliser une séance cohérente? En premier exercice, vous effectueriez des tractions barre fixe en pronation, hein, pour travailler la largeur du dos, à la suite de quoi vous enchaîneriez avec du rowing buste penché yet sans supination, cette fois-ci pour travailler l'épaisseur, et enfin vous finiriez avec du tirage poulie haute bras tendu pour la cerise sur le gâteau. Donc voilà, hein, je tiens à faire une annonce assez spéciale, hein. Le 2 avril 2017, en compagnie de Jamonézard de Jamcore DZ, nous allons effectuer un deuxième stage de formation, ce sera la promotion 2. Et devant la forte demande, on a augmenté le nombre de participants qui sera de 30 maximum. Donc si vous êtes intéressé pour participer à ce stage ou si vous voulez de plus amples informations, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui sera dans la description de la vidéo. On a hâte d'y être et j'ai hâte de retrouver mon ami et frère Jamonézard. Donc voilà, je tiens également à remercier un même seul, mon partenaire, pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de compléments en ligne. Ils offrent un vaste choix de compléments à un rapport qualité-prix assez exceptionnel. Et à ça, My Muscle vous offre en guise de bienvenue un code unique de moins 20% sur votre première commande, code qui s'affiche à présent. Et à la suite de quoi, vous bénéficierez de moins 10% en permanence avec ce Sogo code. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, hein. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite tous de très très bons entraînements, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier volet de ce top 5 de mes exercices préférés par groupe musculaire, et là ce sera les jambes. Donc d'ici là, bon entraînement à tous, vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra, bye bye les amis, ciao ciao, salut.